Salut les amis, c'est Jiffy. Putain, je t'ai fait une intro à la Peter McKinnon, n'importe quoi. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien, car aujourd'hui on va faire une review d'une paire que je n'ai pas payée. Voilà, donc merci, applaudissements. Oui, bon, ça va, oui, je t'entends derrière ton écran. Putain, quel bâtard, il reçoit des paires gratos. Eh ouais, mon pote, eh ouais. Non, plus sérieusement, merci beaucoup à Nike hein, qui m'a envoyé cette paire. En plus, c'est Nike, donc vous voyez, je suis ravi. Merci beaucoup, ça fait vraiment grave plaisir et ça permet de faire du bon contenu à vous, mes abonnés. Donc, tout le monde est content, enfin, j'espère. Alors, cette Nike, c'est quoi? C'est une Nike React Vision. Voilà, donc comme tu peux voir, boîte un peu spéciale. Donc déjà, c'est cool. Moi, ça me fait plaisir. Et sur le dessus, on voit les lettres DMSX qui se prononcent DIMSX. Voilà, c'est une nouvelle gamme en fait qui a lancé Nike en 2019. Ça s'inspire de silhouettes, on va dire classiques, un peu sportives, mais revisitées façon futuriste. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent des empiècements, des matériaux un peu spécifiques, des trucs un peu inhabituels, des surcouches, etc. Et ils te créent des nouvelles paires. C'est ça, la gamme DIMSX. Donc, on va attaquer par cette boîte. On retrouve un souche, plus des espèces de bandes un peu genre délire travaux. Hein. Là, l'étiquette React Vision DIMSX encore. Et le swoosh, voilà. Donc même la boîte fait un peu genre un peu prototype, tu vois, avec les petites croix genre de coupe. Donc on est vraiment dans genre, ouais, le prototype, le truc un peu futuriste. À l'intérieur, un sticker, voilà. C'est cool, hein. Franchement, c'est la première fois que je vois ça. Et la paire, la voici. Cette React Vision. Voilà, c'est super cramé, voilà. Elle est blanche, on la rétrécit un peu. Là voilà, la React Vision. Donc le premier truc qui choque, c'est la légèreté. Hein. Franchement, c'est hyper léger. Cette semelle React, elle est vraiment cool. Bien sûr, on l'a découvert sur quelle paire? Sur la Element 87. Voilà, là la version Mist Undercover avec cet upper transparent. Vraiment mortel celle-là. C'est un petit cop de la fin de l'année dernière, là, je crois que j'ai eu. Grâce à Clockers, donc merci Ben d'ailleurs, petite dédicace au passage si tu vois la vidéo. Donc c'est là où on a découvert cette semelle React, il me semble. Et voilà, donc là, un peu modernisée sur une autre silhouette, la React Vision. Alors d'ailleurs, cette paire, elle est inspirée des Alebrires en fait. Je ne sais pas si je le prononce bien, hein. Moi j'ai fait LV2 allemand. Ce sont des créatures, j'ai pris des notes, hein, mythiques qui naissent des rêves fiévreux d'artistes mexicains. Voilà pour le petit storytelling de la paire et d'où les coloris et les petits imprimés un peu spéciaux. On comprendra mieux le délire Mexique. On le voit bien là sur cette languette, tu vois, hachurée, blanche et jaune. Donc là, on retrouve le côté, comme je te disais, ethnique. À l'avant, sur la languette, on retrouve le logo DIMSX avec le même imprimé derrière. Le shape est quand même assez agressif, comme tu peux le voir. Au niveau des passants des lacets, ils sont lâchés. Là, il y a vraiment un gros boulot. Il y a beaucoup d'empiècements en plus, en daim là, comme ça, comme le gris, comme le jaune qui passe au-dessus. Il y a une couche de blanc en cuir là, je sais pas si on verra bien, on le voit ici. Là, il y a encore du daim un peu beige, donc c'est vraiment très technique, c'est sympa. À l'intérieur, on retrouve une espèce de matière grise un peu comme on retrouve ici. Le gros dossier de la paire, hein, bien sûr, tiens, je vais la mettre comme ça, on verra mieux. C'est ce talon, ce heel tab avec cette espèce d'aileron qui nous rappelle bien sûr la Sakai. En tout cas, moi, ça me rappelle grave la Sakai. Donc, c'est dur, hein, c'est en plastique dur. Ça apporte vraiment un design un peu agressif à la paire. Et tout ça est bien sûr posé sur cette semelle de React hein, que vous connaissez bien sûr avec cet Element. C'est la même. On retrouve cette espèce de surcouche là, mais cette fois colorie gomme sur celle-ci, sur cette semelle React qui est vraiment super confortable. Moi je ne l'ai pas trop porté celle-ci, donc j'avais pas testé, et celle-là je l'ai mise toute une journée. Et ça ressemble vraiment au Boost hein, pour le coup, mais c'est un peu plus ferme parce que le Boost, je trouve, à la fin de la journée tu peux avoir mal aux pieds. Le système React est un peu plus ferme, un peu plus dense, donc je trouve ça plus confortable encore que le Boost hein. Après c'est une question de goût, mais les deux sont très bien hein. Il y a aussi ce swoosh là qui est genre un peu peint par-dessus. Là, on a aussi un petit empiècement jaune avec un gros bloc transparent. Je ne sais pas si on le verra bien, on le voit un petit peu ici, là, pour tenir, pour rigidifier, je pense, le talon. Donc, comme je te disais, paire très technique, légère, hein, surtout, c'est vraiment ce qui choque quand tu la sors de la boîte. C'est vraiment super léger, un peu moins léger que ça, mais c'est quand même léger. Sur le upper, il y a en fait du mesh avec une surcouche de genre de cuir. C'est pas un cuir, je pense, mais simili-cuir. Avec différentes fentes, différents
trous, tu vois, et ça forme un genre de dessin dessus, donc c'est plutôt joli aussi. Voilà pour cette paire vraiment un peu futuriste, hein, ça change de ce que je porte d'habitude, mais en lifestyle, c'est très cool. Avec un pantalon un peu large ou un jogging, un jogger, ça passe nickel. D'ailleurs, putain, comme je te disais, ça passe nickel. D'ailleurs, je vais te le montrer tout de suite dans le On Fit. C'est parti. Voilà pour cette review de la Nike React Vision, j'espère que ça t'a plu parce que je vous avais demandé justement si vous vouliez voir une vidéo exprès pour cette paire parce que je l'avais déballée sur une petite IGTV sur mon profil en vous montrant un peu la paire vite fait. Vous m'avez dit ouais, ce serait cool de la voir, on fit, etc. J'hésite à la prendre, donc c'est désormais chose faite. D'ailleurs, si tu veux cop ta paire, je te mets le lien dans la description, ça sera plus simple. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, tu peux t'abonner, ça c'est cool. Sinon, liker, partager, comme d'hab, commenter, etc. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jiffy. Ciao.